c'est la 16e effective compte tenu des années de non-Covid. Donc c'est le 21 avril, le départ sera donné à 9h au funiculaire du Pic du Gers, avec un parcours relativement classique, puisque ça sera en partie des trois belvédères entre Pic du Gers, Béhout, Pivès, arrivé à Argelès. Donc départ 9h, passage obligé sur le sommet, on traverse les grottes du sommet du Pic du Gers, on redescend sur la funiculaire inférieure, direction Somme de l'Anne, direction Monte du Béhout. Ensuite, une descente sur Ségus, on arrive par la face nord du Pibès, en directissime, et au sommet du Pibès, c'est une descente sur Ouzous, via Balandro, Argelès, Campi, Mounard. Voilà. Donc, c'est une édition relativement classique parce que nous cherchons aussi à conserver le même parcours pour pouvoir, sur le temps, étalonner tous les coureurs qui viennent les faire depuis maintenant 16 ans. Et beaucoup d'engagés ? Oui, actuellement, oui, nous avons une bonne formation. Il faut voir qu'il y a 450 coureurs inscrits et nous avons 250, voire 300 coureurs en attente. Bon, compte tenu de la traversée de la réserve du Pibès, du Pic du Gers, de tous les aléas qui sont dans les courses actuellement, parce qu'il faut quand même penser à l'écologie, à préserver la nature. Et nous pensons que 500 coureurs, mais c'est un grand maximum pour cette course.